Parole d'expert, le podcast du CEAListe. Bonjour Florent Kirchner. Bonjour, merci pour l'opportunité de venir vous parler. Alors, vous êtes chef de département et responsable du programme cybersécurité au CEAListe. Alors, la cybersécurité, ça nous concerne tous dès lors qu'on utilise des systèmes numériques. Alors, pour commencer, quelle serait votre définition de la cybersécurité ? Ma définition de la cybersécurité est plutôt celle qui est communément acceptée, en particulier par les autorités françaises. Le principe de cybersécurité, c'est un principe de résistance à des événements qui sont venus du monde numérique, que vous mentionnez, du cyberespace, et des événements qui sont susceptibles de compromettre les données, les services ou les équipements dans ce cyberespace. Alors, ça impacte très largement beaucoup de choses différentes, hein, et en particulier des choses de la vie de tous les jours, des montres connectées, des smartphones, la façon dont on réalise nos achats en ligne, mais aussi des choses qui sont plutôt de l'ordre du fonctionnement sociétal, les acteurs économiques ou étatiques, que ce soit comment est-ce que on fait fonctionner des grands principes démocratiques, la protection des votes en ligne, par exemple, ou la protection de systèmes ou de données industrielles qui nous permettent de produire certains de nos biens essentiels. Alors, justement, on va rentrer un peu dans le détail des menaces. Donc, on parle de cybermenaces. Quelles sont celles qu'il faut donc savoir identifier pour mieux les déjouer ? Alors, c'est une question qui est complexe parce que les menaces et les cybermenaces sont sans cesse en évolution et extrêmement nombreuses. Mais il n'empêche qu'on a créé un certain nombre de points de repère pour pouvoir réfléchir à ces menaces-là et mieux les catégoriser et peut-être mieux y répondre. De façon très schématique, c'est trois grandes catégories de propriétés de sécurité qu'on cherche à assurer, donc de menaces sur ces propriétés-là qu'on examine. La première étant la confidentialité des données, s'assurer que ce qu'on échange ne peut pas être écouté, ne peut pas être de voler. On prendra l'exemple sur ce sujet de comptes Facebook qui ont été fuités il y a quelques semaines. La deuxième menace, elle porte sur l'intégrité des systèmes et des données qui peuvent être corrompues, dont le fonctionnement peut être modifié par un attaquant. Et donc ça, c'est problématique, en particulier quand le fonctionnement, par exemple, d'un site comme Twitter permet d'en modifier le contenu. Mais peut-être encore plus problématique quand c'est des systèmes qui sont modifiés, ne sont pas juste des systèmes de communication et de réseaux sociaux, mais des systèmes qui pilotent des installations critique ou dans certains cas qui pilotent des véhicules autonomes. Et on se rappellera à ce titre-là d'une des scènes introductives d'un Fast and Furious où des essaims entiers de voitures étaient piratés pour pouvoir mener à bien une attaque. Et puis la dernière catégorie de menace, c'est une menace sur la disponibilité des systèmes et des données, c'est-à-dire quelque chose qui va empêcher des systèmes numériques de fonctionner. Donc ça se matérialise par exemple sous la forme de ransomware ces quelques dernières années qui ont un impact économique fort à la fois bien sûr sur les usines et sur un certain nombre de systèmes qui nous entourent, y compris du e-commerce, mais aussi qui peuvent avoir un impact assez fort sur nos vies, en particulier quand elles mettent en péril les fonctionnements d'hôpitaux par exemple. Alors le CEAListe est un acteur majeur dans la recherche en cybersécurité. Alors quelles sont les approches que vous développez dans ce domaine et à quel niveau est-ce que vous intervenez ? Alors, le CEAListe se positionne bien sûr comme un institut de recherche technologique et donc de recherche applicative qui a pour objectif d'accompagner ses partenaires dans des démarches d'innovation. Et la cybersécurité n'est pas une exception dans ce positionnement-là, puisque notre objectif au CEAListe et avec les équipes, c'est de concevoir des nouvelles façons d'aborder ces menaces de sécurité et de sécuriser derrière les systèmes, les données avec lesquels on opère. On a deux grands axes sur lesquels travaille le CEAListe, un axe technique et puis un axe plutôt de construction d'écosystèmes. Alors, sur les axes techniques, le CEA, qui mobilise près de 200 personnes quand même sur les sujets techniques, s'intéresse à toute la pile du numérique, toute l'étendue du numérique, que ça aille depuis la protection des composants électroniques jusqu'à les questions de protection de systèmes dans leur globalité, en passant par des questions de protection de données, et en particulier de mise en œuvre de systèmes de chiffrement, ou de protection des logiciels et de réaction face à des vulnérabilités logicielles. D'ailleurs, il faut noter que sur ces axes-là, on développe des techniques qui sont très innovantes et qui permettent à nos partenaires de mettre en œuvre assez rapidement des choses qui sont absolument à la pointe de l'état de l'art. On est reconnu à ce titre-là par des instituts comme le NIST, par les agences nationales, mais aussi par un certain nombre de conférences scientifiques comme Black Hat, comme S&P, qui reconnaissent la qualité des résultats qui sont produits dans les équipes du NIST. Ça, c'était l'axe technique. Et puis, il y a bien sûr un axe de construction d'écosystème. On ne peut pas résoudre ce problème seul au NIST. On le résout dans
dans un écosystème partenarial qui est extrêmement riche, qui est extrêmement fructueux, dans lequel je ne vais pas rentrer, mais par contre, je veux juste souligner peut-être un des éléments le plus marquant qui a démarré en 2019 de cette construction partenariale, c'est le pilotage par les chercheurs du LIST, du réseau européen de compétences en cybersécurité, qui réunit autour de 44 acteurs cœurs au niveau européen de la cybersécurité, une centaine supplémentaire de partenaires qui s'intéressent à comment est-ce qu'on met en œuvre des nouvelles techniques de recherche et d'innovation pour permettre de réaliser des avancées en cybersécurité. Ce réseau-là, il est particulièrement intéressant parce qu'il illustre bien la façon dont les chercheurs du LIST travaillent avec leur écosystème, bien sûr en interne du CEA avec toutes les équipes qui peuvent être concernées par le sujet, mais aussi à l'externe avec une variété de partenaires, leurs partenaires académiques, bien sûr, un certain nombre de grands partenaires industriels qui cherchent à s'associer à cette capacité créative reconnue des équipes du LIST, mais aussi un lien fort avec les équipes de recherche qui peuvent être hébergées dans, par exemple, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Et par ailleurs, la communauté elle-même, grassroots, qu'il ne faut pas oublier en cybersécurité, qui est un élément vraiment important du paysage et avec lequel on interagit, par exemple, à travers des événements comme le hack ou la nuit du hack chaque année. Alors, on va aussi parler des prochains enjeux et surtout des futures menaces que vous devez donc anticiper dès aujourd'hui. Alors, en d'autres termes, est-ce qu'on peut devancer les hackers pour qu'ils n'aient pas toujours un coup d'avance ? Oui, alors c'est notre métier hein, de trouver ces façons de devancer les cyberattaquants. Il faut noter hein, qu'en termes d'enjeux, il y a un double enjeu qui se combine sur cette question de cybersécurité. Le premier, c'est que les attaquants sont de mieux en mieux armés et disposent de plus en plus de moyens. D'accord, on voit l'émergence de groupes de hackers qui sont des hackers institutionnels, qui sont des hackers d'État, qui peuvent mener un certain nombre d'actions qu'on peut rapprocher d'actions de cyberguerre, mais aussi d'acteurs qui ne sont pas des acteurs étatiques, qui se rapprochent d'organisations peut-être plus mafieuses, et qui ont aussi des moyens qui sont considérables. Donc ça, c'est le premier aspect. La menace se complexifie, et les attaquants deviennent de mieux en mieux armés pour pouvoir obtenir ce qu'ils souhaitent des systèmes numériques. Le deuxième enjeu, c'est que ces systèmes numériques-là, depuis des années, mais ça continue de s'accélérer aujourd'hui, sont de plus en plus présents dans nos vies. D'accord ? On voit l'émergence, on voit la perméabilité de nos vies au numérique. Je parlais des montres connectées tout à l'heure, des smartphones. On a un certain nombre d'objets autour de nous qui de plus en plus deviennent des objets connectés. Et donc ces infrastructures-là, qui sont des infrastructures numériques, au même titre qu'on peut parler d'autoroutes et de péages ou de gratte-ciel dans le monde physique, eh bien il y a l'équivalent dans le monde numérique et ils grandissent et ils explosent à une vitesse qui est considérable. Et donc la combinaison de beaucoup plus d'infrastructures à protéger d'un côté et les attaquants qui sont de mieux en mieux armés de l'autre, créent deux enjeux extrêmement forts pour créer les coups d'avance en cybersécurité. Et donc, c'est bien notre métier, nous, en tant que chercheurs appliqués, qu'ingénieurs, de concevoir des développements technologiques qui nous permettent non seulement de proposer des solutions adaptées, non seulement de fédérer un écosystème autour de nous, mais aussi d'informer et de partager avec les citoyens, avec les différentes sphères politiques, en étant bien conscient des responsabilités sociétales et éthiques qui nous incombent sur le sujet. Alors, dernière question, hein, parce que l'intelligence artificielle, on sait, c'est un outil essentiel qu'on retrouve dans de nombreuses innovations numériques. Est-ce qu'elle peut aussi être un atout en matière de cybersécurité et comment ? Absolument. Donc, l'intelligence artificielle, c'est effectivement une tendance de fond qui impacte aussi la cybersécurité. Alors, bien sûr, ça commence à être utilisé par un certain nombre d'attaquants et c'est utilisé par les défenseurs et par les équipes du LIST dans leur façon de chercher des solutions innovantes et de les intégrer à des solutions innovantes en cybersécurité. C'est particulièrement intéressant de se pencher sur un aspect particulier de l'intelligence artificielle qui est le lien entre des systèmes de sécurité qui sont autonomes ou semi-autonomes et puis l'opérateur humain qui opère ces outils et ces méthodes de cybersécurité. Et ce qu'on voit en sécurité, notre approche à l'intelligence artificielle, elle se fait plutôt dans une combinaison justement entre l'être humain et l'intelligence artificielle qui permet de décupler ses capacités. Et à ce titre-là, on développe un ensemble d'approches qui nous permettent de créer, de préfigurer ce que sera demain l'opérateur en cybersécurité, non pas un opérateur d'un côté et des machines de l'autre, mais un véritable cybercentaure qui ensemble permettra d'aller beaucoup plus loin que ce que peut faire une machine seule ou un être humain seul. Eh bien merci Florent Kirchner. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et à vous qui nous écoutez, vous pouvez découvrir encore plus de paroles d'experts dans les autres épisodes de ce podcast proposé par le CEA LIST.